Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces dernières clés, ces dernières étapes énergétiques de votre mois de février 2023. La grande guidance générale donne le cadre de ces énergies et les clés permettent d'approfondir et d'aller un petit peu plus loin dans le projectif. Lors de la grande guidance qui donne ce cadre domaine par domaine, dans le domaine sociétal qui correspond à toutes vos interactions, du quotidien, donc le travail, les relations sociales, les relations amicales, les relations de travail, de vie, hein, tout simplement. Vous aviez eu cet arcane majeur des émotions. On voit que vous passez de l'ombre à la lumière et que vous trouvez un nouvel équilibre, à la fois de cœur, parce qu'on a un cœur ici, et puis juste au-dessus, on a un pentacle, et juste à côté, on a un petit papillon, donc chenille qui devient un papillon et qui prend un nouvel envol. On est sur un nouvel envol émotionnel, on est sur le 19, l'arcane majeur numéro 19, donc 9 et 1, 10, fin de cycle et 10, 1 et 0, 1, nouveau cycle. Donc on va essayer d'éplucher un petit peu ça pour aller au plus près de ce que je peux vous dire sur de ce point de vue-là, sur cette énergie-là de l'émotion, de cette évolution énergétique plutôt très positive en vous. Sur le plan sociétal, donc d'où venez-vous, ami Balance, pour avoir cette très jolie énergie, qui est une énergie vraiment de belle évolution. Il semblerait que soit vous vous êtes déjà lancé, soit vous, au cours de ce mois de février, vous allez vous lancer. Je vous en avais parlé déjà et je crois que je vous en ai parlé sur votre guidance, vos clés, alors une des deux, clé générale ou clé sentimentale, je ne sais plus, où c'était très clair, où vous vous lanciez vers quelque chose de très différent. Je la ressens pas très passéiste, cette énergie, hein, vous avez l'habitude, hein, quand je pense que c'est en mois, voire en année, je vous le dis. Là, je sens que ça peut se produire ce courant du mois de février, que vous vous lanciez, alors vers quoi, pour quelle résultante? C'est la question, et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir avec les tarots. Vous vous lancez vers une nouvelle émotion, la lune, c'est celle qui éclaire vos nuits, vers une nouvelle émotion qui est visiblement pour une belle guérison, pour quelque chose de très très beau, nouvelle vision de votre vie. Il y a un nouvel environnement. De toute façon, ça a été très très clair sur votre guidance générale sur le mois de février. Et tout ça est en train de se mettre en place, comme si les mois difficiles où vous étiez dans une pleine construction des choses, où il y a eu quand même beaucoup de tours. Hein, on a une relation particulière, ami Balance, depuis quelques mois. Hein, vos énergies étaient lourdes. Et on voit que tout ça est en train gentiment de s'évaporer et gentiment de se mettre en place. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup, beaucoup plus doux. Je vous assure, hein, c'est beaucoup, beaucoup plus doux. Elle a sauté, je verrai comment je la. Que je préfère les prendre, mais bon, elle a voulu venir. Oh, je vous parlais de tour. Bon, là, elle est en positif. Hein. Je suis en train, j'ai posé mon intention. Je suis en train de battre pour une énergie positive, pour une vague énergétique positive. Donc, vous êtes peut-être plutôt ici sur la tour en positif, sur une reconstruction qui, associée au 6 de bâton, vous voyez ici les lauriers, est plutôt victorieux. Donc, vous reconstruisez votre environnement. Alors, on va essayer de parler de quel environnement, quoi, le domaine, s'il vous plaît, mesdames. Les balancer que je connais. Vous avez encore arcane majeur de la Hiérophante qui prouve que vous avez une très très forte intuition sur ce mois de février. Et le cavalier de coupe qui vous montre que vous êtes alors soit dans une très forte émotion, ce qui serait possible avec la lune, soit dans une phase où vous avez une offre, on va voir de quel type d'offre il s'agit, qui vous permet de reconstruire quelque chose et vous sentez que c'est le bon moment pour changer de cap. J'ai pas le domaine pour l'instant, donc on va voir. Vous savez que je vais pas vous laisser comme ça, vous avez l'habitude maintenant. Ouais.
On a bien compris que vous aviez, entre le fou et le pendu, une nouvelle vision des choses, un nouveau regard sur votre avenir. Regard beaucoup plus doux, hein. On est sur une guidance malgré la présence de la tour, mais ici la tour en positif, elle est sur, vous vous reconstruisez sur le plan sociétal. Alors possiblement, parce que c'est la vibration que j'ai, plutôt sur le plan financier, mais on va voir. Neuf de bâton, il y a moins de protection, il y a moins de combat. Neuf de bâton passé en pour, vous êtes plutôt. Oui, c'est ça, vous vous libérez d'un carcan, de position qui vous enfermait. 10 d'épée, 9 de bâton, 10 d'épée. Vous voyez que les cartes difficiles sont en train. Et il y a un choix qui se profile sur le mois de février. Je continue tant que je ne suis pas satisfaite. Alors, il faudra bien que je m'arrête à un moment donné. Il y a des propositions, il y a une proposition ici avec ce cavalier de coupe qui visiblement va vous permettre un nouvel équilibre. C'est ça l'idée, j'aimerais quand même une confirmation par rapport à ce que je ressens sur le plan financier, mais bon. Je sens une libération vraiment assez nette du carcan matériel et financier, mais bon, on va aller voir. Ah oh. Rebelote la tour. Ah, on a un relationnel, ami balance, depuis 4 mois qui est quand même assez particulier, je vous l'avoue. Alors, Vous vivez des choses difficiles, à 6 de coupe. Voilà un petit peu de douceur. On continue. Vous reconstruisez sur le plan émotionnel, ça. Donc, de toute façon, Gaïa, elle est surpuissante. Elle vous l'a dit il y a 15 jours. Donc, au niveau relationnel, vous vous ouvrez à quelque chose d'autre. Pour moi, c'est. Il y a un truc qui arrive sur le plan matériel et financier, mais je n'ai pas la réponse. Ouais. Et on a encore ici un cavalier de Pentacle qui dit effectivement, il y a encore le nouveau regard. Sur votre vie, on va voir, on ira voir sur ce qui va sortir sur Gaïa là. Je vous disais, il y a une information ici, deux fois un cavalier, le cavalier en plus de Pentacle. Donc quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, qui vous remet du baume au cœur. Il y a deux fois la lenteur et l'histoire du passé ici qui remonte avec le 6 de coupe et le cavalier de Pentacle qui, vous savez, est un cavalier qui est un très grand messager. Un messager très positif qui vous amène une bonne lumière. C'est du Pentacle, donc possiblement ça répond un peu à ma question, en tout cas à l'interrogation, à la vibration que j'ai. Mais il est très lent. Donc ça suppose que vous allez avoir voilà, une bonne nouvelle par deux fois, hein, c'est confirmé. Une nouvelle que vous attendez depuis très longtemps et qui va vous permettre de reconstruire, de voir un nouveau regard. C'est très victorieux. On va avancer et puis je reviendrai si je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai, vous le savez. Quelles sont vos énergies contre sur ce mois de février? Parce que vous avez des énergies hautes qui sont puissantes. Alors en face, j'ai un peu peur que ce soit très puissant aussi. En tout cas, je le ressens malheureusement. Je ne vais pas vous mentir. Il y a encore de beaux contres là. Hein. Et ouais. 10 de bâton. Mais ouais, je le sentais. Hein. Vous êtes englué pour certains d'entre vous. Vous êtes enfermé. On a un 9 de bâton qui vient en pour. Vous avez une possibilité de vous sortir d'un. Oui, englué, c'est le mot. Hein. Mais il y a un potentiel de sortie. Mais alors, dites donc, vous avez mangé depuis 6 mois les balances. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est fou. Hein. 5 d'épée, ouais. Vous êtes dans un enfermement psychologique qui est quand même très très fort. Il y a un manque de confiance. Manque, hein, le 5. Hein. Et là, vous êtes dans un manque de confiance en l'avenir. Et pourtant, ici, on est en train de vous dire qu'il y a un beau potentiel de guérison et de voir que vous vous lanciez avec les deux propositions qui vous sont faites.
Et, mais vous y croyez moyen. Ouais. Vous croyez moyen en la tempérance, vous croyez moyen dans le pouvoir de guérison de votre situation. Il faut y croire, hein. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais la loi d'attraction, là, c'est très négatif, hein. Et là, vous envoyez un message qui est... bon, c'était le cavalier d'épée, il me dit pas plus que ça. Donc, vous envoyez justement, je parlais de message, hein, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des messagers. Vous envoyez un message qui n'est pas positif. Alors, encore une fois, vous faites bien ce que vous pouvez. J'en suis bien consciente et je l'entends et je le ressens, hein. C'est fort et puissant, mais ouais. Le fou ici, il est là en contre. C'est-à-dire que vous hésitez à vous lancer tellement vous avez peu confiance en vous et en l'avenir. Donc on est sur des blocages quand même assez puissants. Pourtant, il y a une information ici qui est extrêmement positive, qui va vraiment vous mettre dans le bien-être, qui va vraiment vous... Et faites confiance ici, le hiérophante, faites confiance à votre intuition que vous pouvez reconstruire et aller vers une belle victoire. C'est un petit peu ce qu'il y a comme tableau. On va voir sur quoi se positionne Gaïa. Si je n'ai pas les réponses, j'irai les chercher. Vous le savez. Mais il y a une belle information ici qui peut vous permettre effectivement de passer du sombre à la lumière. Mais ça demande un effort ici parce que le fou, quand le fou sort, en plus il est sorti deux fois, on est en train de vous dire que c'est quand même votre action. C'est le fou, il décide ou pas lui-même de se lancer. Donc c'est vous qui êtes maître du jeu et j'ai envie de dire encore heureux parce que je n'aime pas quand j'annonce trop d'aide de l'univers parce que vous devez rester maître de votre vie. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Hein. Je ne le ressens pas. Il y a un messager, mais je pense que c'est vous. Il y a deux messages là, très positifs, qui vraiment vous aident dans la reconstruction. J'ai deux fois la tour, hein. Donc c'est assez puissant. Il y a un fort potentiel de reconstruction de vos émotions. Mais ça demande ouais, de passer outre vos pensées limitantes. Mais il y a un passage possible. Hein. Oui. Pourquoi elle n'a pas voulu venir celle-là? Ok. Ah, elle ne m'arrange pas, Gaïa, là. Mais qu'est-ce qu'elle est puissante. Vous êtes sur une fin de cycle hein, chez Gaïa, la 19, 9 et 1, 10, et là, on est sur l'arcane 0. Et c'est vraiment ça que je ressens, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a quelque chose qui peut arriver, mais vous le connaissez, c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Donc, je pense que ceux avec qui je connecte vont vite le savoir. Parce que c'est un message, une aide, quelque chose, peut-être un prêt qui est accordé, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un déménagement, quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, qui arrive. Donc comme ça placera l'idée avec donc qui est concerné par cette guidance. Mais on vous affirme ici par deux fois, une fois le zéro, deux fois le zéro, trois fois le zéro. C'est-à-dire que en février, vous aurez la possibilité soit de suivre ici votre petite fée et de passer de l'autre côté de l'arbre où il y a la lumière, soit de rester enlisé. Je vous parlais de c'est très lourd pour certains d'entre vous. Il y a le serpent, de rester pieds et poings liés. Et donc, possiblement, le choix va vraiment se concrétiser pour vous sur ce mois de. Sur ce mois de février, pour vous, ami Balance, c'est assez limpide. Et l'information vous met du baume au cœur. Donc ça vous donne un potentiel, un nouveau potentiel d'équilibre. Ça éclaire vos nuits, ça vous guérit et ça vous permet de faire ce choix de vous lancer
pour autre chose. Alors, l'information, vu qu'elle est connue, parce que vous la connaissez hein, avec le cavalier de Pentacle, hein, c'est une information pour moi plutôt liée au matériel et financier. Mais si par exemple vous avez un nouveau job, vous seul pourrez le signer ce nouveau contrat. Si vous voulez déménager, vous seul pourrez décider de ce déménagement. Vous êtes vraiment seul maître à bord ici. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose que probablement que vous avez implanté sur les semaines courantes. Ça date pas d'il y a 1000 ans. Donc peut-être que ça sera sur le. Vous allez l'implanter sur les semaines qui vont suivre. Et que finalement, le choix va se déporter sur Mars. Mais c'est vraiment vous avec vous-même ici. Hein. On est vraiment pas sur un autre. Sur un autre domaine. Voilà, ça confirme. La force, elle est en train de me confirmer que c'est vous, avec votre force intérieure, vous allez vous extirper de quelque chose qui est quand même relativement difficile. Cavalier de Denier, on le retrouve, c'est le même que celui-ci. Il y a un messager, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous aide, quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Encore une fois, le cavalier de Denier, il est très très lent. Donc vous saurez ce que vous attendez depuis Moi, pour moi, ça se parle même en années pour certains d'entre vous, hein, plusieurs années, hein, pas qu'une. Hein. Donc c'est lourd et c'est lourd. Ouais, ben oui, c'est lourd. Hein. C'est 9 d'épée, on est vraiment dans du lourd. C'est quelque chose qui vous prend la tête depuis des années. Hein. Et vous allez avoir la possibilité de vous en extirper parce qu'il y a un messager ici qui vous apporte, encore une fois, le cavalier de Denier. Il est très lent, c'est vraiment son côté négatif. Par contre, quand il est là, quand il sort dans l'action positive ici, donc du coup, sa lenteur est passée, c'est pour ça que je vous parle d'année. Et du coup, il est là vraiment pour le messager. Voilà. Il y a. On sort l'impératrice ici. On est dans un possible départ ici avec le 7. Ouais. Ça va aller vite après. Cavalier de bâton. Et le soleil qui a trois cartes. Donc, c'est pas très loin. Et vous allez pouvoir accomplir un projet, mettre en œuvre quelque part ce que vous aviez envisagé de longue date. Et donc c'est pour ça que pour moi on est sur une reconstruction et les émotions viennent à s'équilibrer. Le mois de février, vous remettez un petit peu ça en place, mais c'est ce qui correspondait à votre guidance émotionnelle aussi, hein. Les clés émotionnelles, elles sont tout à fait dans ce tempo-là. Je vais quand même aller chercher un petit truc en plus. Eh ouais. C'est très très particulier parce que vous sortez quand même deux fois les lauriers. Deux fois. Et deux fois la tour. Donc, par deux fois, et vous êtes sur le 6 de bâton, ça veut dire qu'on confirme que c'est votre propre action qui agit. C'est votre propre départ qui agit. C'est votre propre choix ici qui agit. Mais j'ai recouvert l'impératrice, hein, l'impératrice qui est source de projet, source d'abondance, qui enfante, qui crée. Et dans votre création, le potentiel créatif que vous avez, effectivement, ici, elle ne se trompe jamais. Il y a vraiment un retour possible à l'équilibre. Le messager, c'est un potentiel créatif ici. Donc, créer un nouveau contrat, nouvel accord bancaire. Moi, je pense qu'il y a un gros. C'est vraiment beaucoup, beaucoup lié au financier. Mais vous le savez mieux que moi parce que du coup, ça tiltera hein, pour vous. Et donc, oui, il y a un potentiel de vous extirper d'un. Vous êtes englué et vraiment très fortement et vous n'y croyez plus. Et pourtant, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en place il y a même plusieurs mois, voire
avec ce cavalier de pentacle qui sort deux fois, qui rappelle cette énergie extrêmement lente. Il y a quelque chose que vous avez mis en place même il y a plusieurs années. Et c'est quand même comme si vous aviez un boomerang qui vous revient de ce que vous avez mis en place. Et c'est très, très constructif et très victorieux sur le plan du long terme et de l'abondance, parce que l'impératrice, elle est aussi dans l'abondance. Et c'est ça qui va vous mettre la lumière dans le cœur et la lumière dans les yeux. Encore une guidance folle, j'ai envie de dire. Et je sors la carte numéro 10, l'effet miroir. Carte numéro 10, vous êtes donc à la fin d'un cycle, c'est dit et redit, 2-3 fois le 0, une fois le 10, deux fois le 10. En numérologie, hein, encore le 10. On est sur vraiment une fin de cycle. Et la carte conclusion, elle est fabuleuse. C'est extraordinaire de sortir l'effet miroir dans cette guidance. Parce que c'est ce que je vous disais. C'est vous qui devez impérativement enclencher de faire le pas, de sauter le pas et d'être quelque part le fou ou la folle, de dire bon, j'y vais. Parce que l'effet miroir aura tendance à vous dire attention, à ne pas ressasser ce qui ne va pas. Parce que à ressasser finalement ce visage noir que finalement vous voyez depuis des semaines, voire des années, cet univers sombre, regardez comme c'est sombre, vous n'aurez pas envie de voir une autre lumière ici. C'est exactement ce que je vous expliquais par rapport à la loi de l'attraction. Vous n'y croyez pas et du coup, ben, ça crée soit un frein, soit une émulation. Mais qu'il y a un potentiel de fin de cycle ici, c'est très clair, et un potentiel par deux fois, vous sortez la tour, donc par deux fois, il y a un potentiel de reconstruction. Mais encore une fois, Gaïa le dit, c'est votre choix. Elle porte très très bien son nom, cette carte. Il vous appartient et encore heureux. J'ai hâte de vous lire, Ami Balance, c'est encore assez rock'n'roll comme guidance. Prenez bien soin de vous en attendant, vraiment, vraiment, prenez bien soin de vous. C'est vraiment le message aussi ici, portez-vous à la lumière. Extirpez-vous de ce 10 de bâton qui est lourd. Mais on est au 10. Allez, courage, j'ai envie de dire, pour ceux à qui ça parle, il y a deux messagers et deux possibles victoires sur cette fin de cycle qui a été effectivement, je vous ai, nous avons vibré ensemble pendant les 5-6 derniers mois, et oui, je pense que doucement mais sûrement vous arrivez au bout, courage. En tout cas, merci infiniment quand même pour cette connexion, parce qu'elle existe, elle est magnifique, et on se retrouve très vite, surtout faites attention à votre santé. À très vite, namasté.